Bonjour, nous sommes jeudi, il est 10h, je viens de rentrer de chez le kiné, je suis au taquet ce matin. Le kiné, ça m'a fait du bien, j'avais bien besoin et il m'a remis en place le bassin pour changer. J'ai ouvert tous les volets, il fait super beau, ça fait trop plaisir. Je vais faire un petit brin de ménage en bas là parce que en fait, comme j'ai bossé sur les coussins hier, bah, vous voyez derrière là, il y a le fer à repasser, enfin il y en a un petit peu de partout, c'est... Voilà. À 11h, j'ai la dame qui vient récupérer ses coussins et on récupère Kali chez la nounou à midi. Doudou est là, il est en train de dormir. Il avait besoin de dormir. Donc, en fait, il a amené la petite chez la nounou comme c'était prévu et il s'est recouché en rentrant et voilà. On a reçu le panier qui toque. Je vais vous le montrer, je vais le déballer. Et puis voilà, en sachant qu'il est passé très tôt. Heureusement que Doudou était réveillé parce que, en fait, il m'a appelé, le livreur m'a appelé à 7h20, je crois, pour me dire oui, j'arrive dans une demi-heure, vous êtes chez vous? Oui, je suis dans mon lit. Enfin, donc voilà, on s'est fait livrer le panier qui toque. Et il faut que je fasse à manger pour midi. À midi, je vais faire des aubergines fondantes pour changer. Je sais pas si. Non, on a mangé des pâtes hier. Je vais peut-être faire de la semoule avec. De la semoule. Et puis voilà. Et puis voilà, voilà, voilà. Cet après-midi, on a la séance photo de grossesse avec Calinette et Doudou, bien entendu. Donc, tous les trois. J'ai trop hâte. J'ai trop, trop hâte. Et voilà, ça sera déjà une bonne journée. Et je pense qu'après la séance photo, on ira se promener un petit peu parce qu'il fait super beau. Il fait un grand ciel bleu. Franchement, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Alors, par contre, ce matin, il faisait froid. Il faisait zéro. Mais là, c'est en train de monter. Et cet après-midi, il prévoit 15 degrés. Donc, c'est énorme pour un mois de février, quoi. Enfin, donc on va en profiter. Allez, let's go. C'est parti pour le ménage. Parce qu'il y en a un petit peu besoin, quand même. Enfin... Pas le ménage, je vais pas passer l'aspi et tout parce que je l'ai passé hier. Mais au moins de ranger quoi, vous voyez les trucs qui traînent. Bon, j'ai déballé mon panier qui toque. Ici, on a tout ce qui est fruits, légumes. Alors, il y avait des légumes que je savais même pas qui étaient dans les recettes. Parce qu'ils les mettent pas en avant dans le titre de la recette en fait. Mais il y a des choux de Bruxelles. Patates douces, pareil, je pensais pas qu'il y en avait. Enfin bon. Betterave, je savais. Là, il y a une endive, carotte. Citron vert, du fruit de la passion. Enfin voilà, je vais vous montrer les recettes. Donc cette semaine, j'ai pris curry vert de bœuf au lait de coco, saumon au citron vert et gingembre, taboulé d'hiver à la passion, poêlé de spätzle au cœur d'artichaut et noisette. Ça fait trop bon. Velouté de betterave au chèvre frais et feuilleté au sésame. Camusette forestière gratinée à la raclette. Ça aussi, ça va être trop bon. Avec une salade verte, ça va être parfait. Enfin, voilà. Donc là, j'ai pas mal de choses. J'ai du saumon, j'ai de la viande de bœuf, des nouilles de blé au sarrasin, pâte feuilletée. Là, on a tous les aliments secs. Le lait de coco, la raclette, les artichauts. Enfin, il y a tout. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. Donc, c'est top. Les petites baguettes là, après, à faire pré-cuire. C'est nickel. Voilà. Et là, j'avais peur pour ça parce qu'en fait, si j'allume ma plaque, ça va pas le faire. J'avais peur qu'il y ait du poivron dedans et en fait, non, il n'y en a pas, c'est que du piment. Enfin, que du piment. Voilà. Mais c'est du piment, donc c'est très bien. Je pourrais en manger. En sachant que à midi, bah, j'avais déjà prévu une recette, donc je ne ferai pas un kitok. Mais par contre, demain je ferai un kitok. Voilà, et puis je vais en faire ce week-end, etc., etc. Au niveau des dates, parce que la dernière fois, on m'avait demandé, généralement, c'est assez long, hein, il n'y a pas de souci. Donc, vous avez largement le temps de les consommer. Bon, alors, je ne vous dis pas 2 semaines, mais par contre, voilà, c'est pas pour le lendemain. Donc, ça, c'est très, très bien. Voilà, allez, je vais mettre tout ça au frigo. Monsieur Doudou est enfin réveillé. Vas-y, ferme-moi le lave-vaisselle dessus, je te dirai rien. C'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Bonjour, bonne Valentin. Tu t'appelles pas Valentin? Non. Eh ben d'ailleurs, je vais envoyer un message à mon meilleur ami parce qu'il s'appelle Valentin. bon, j'ai fait le repas. Ici, on a le petit gratin d'aubergine fondante avec de la mozzarella pour faire gratiner le tout. Encore de la mozzarella. J'ai fait des pavés comme ça, vous savez, la végétale là. Tomate.
tarte séchée mozzarella. C'est très très bon. Non, j'en ai que deux, mais on partagera avec Cali, il n'y a pas de souci. Et je suis en train de faire cuire du riz et je suis en train de penser que je n'ai pas remué. Voilà. Hop. Et voilà. Et d'ici un quart d'heure, Doudou va aller chercher la pépette. Et oui. Et oui. On va voir si elle a la même réaction qu'avec moi. Parce que moi, quand j'arrive chez la nounou, Cali, elle parle de côté. Elle veut pas partir. Alors, je préfère que ça se passe comme ça, hein, que ce soit le contraire. Mais on va voir si c'est que avec maman ou si c'est avec papa. Papa! Bah franchement, si elle me fait ça, je serais dégoûtée. Non, mais je pense pas, je pense qu'elle va faire le même truc. On verra bien. Et tu me mens pas, hein, parce que je demanderai à la nounou. Hein. Ouais, bon, sinon j'ai fait le petit coussin pour la chambre de la pépette, vous savez, en forme de nuage. Là, d'un côté, j'ai mis du tout doux. Et de l'autre côté, j'ai mis dans les tons de la couleur de la chambre, dans les couleurs de la chambre. Donc je vais pouvoir rembourrer tout ça. Habituellement, je floque le prénom avant. Mais en fait, avec le tissu tout doux, là, c'est pas repassable. Sinon, ça enlève le côté, vous voyez, relief. Donc, l'idée, c'est que je vais le repasser une fois qu'il sera rembourré. Comme ça, au moins, avec le rembourrage, ça limitera la casse. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je vais rembourrer tout ça pendant que mon riz cuit. J'optimise mon temps. Ça y est, le repas est fait. Hop. On a le gratin d'aubergine ici, on a les petits carrés végétales. Le riz est en train de cuire, je vais préparer l'assiette de Cali parce que ça sort du four, donc je ne veux pas que ce soit trop chaud, sinon elle va me faire comme elle dit si bien. Voilà, le riz, je ne vais pas trop le faire cuire non plus pour Calinette. Et puis voilà, comme ça, la table est mise, tout est prêt. Dès que Cali arrive, on mange. Parce que généralement, quand on la récupère à midi chez la nounou, elle a très faim. Elle a très très faim, donc voilà, je vais pas la faire traîner, quoi. Et on va pas traîner pour manger, parce que cet après-midi, à 14h, on a la séance auto. Je suis trop pressée. Bon, accessoirement, je vais me faire une tronche avant, parce que là... Bonjour, petit chat. C'est bon. Non, c'est pas chaud. C'est bon. Bon. Comment ça, non, c'est pas bon? C'est bon. Est-ce que c'est bon? N'ouvre pas la bouche, mes chéris. Ah, c'est bon. Est-ce que c'est bon? Ah, non. Ferme la bouche. Gobe les mouches. Mais non. Arrête d'ouvrir la bouche. Mange. Papa, il a pas oublié de t'attacher le body. Ça fait comment ça? Les maîtres. Les chefs d'orchestre. Les chefs d'orchestre. Les maîtres. Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui. Hein, papa, il a oublié d'attacher le body, ça fait un style. Sinon, on peut fermer le body par-dessus le pantalon. Non, tu veux pas? Tu fais coucou? Bon, ça y est, on est prêt. Je me suis maquillée, j'ai fait mes cheveux, j'ai coiffé la pépette, je lui ai fait des petites couettes. D'ailleurs, je vais aller chercher le peigne pour au cas où s'il y a besoin de lui. Mène un petit coup. Doudou aussi s'est coiffé. Ou pas. On est parti. J'ai fait des accessoires, le doudou, le coussin avec le prénom et tout et tout. Je vais mettre un petit peu de rouge à lèvres parce que là j'en ai pas et je suis un petit peu palote. Et puis let's go. Let's go, let's go. Parce que sinon, on va être à la bourre. On y va, Calinette. Bon, on vient d'arriver au parc. Bon, la séance photo s'est super bien passée. J'essaierai de vous mettre des petites prises de vue. C'était top, c'était top. On est censé recevoir les photos la semaine prochaine. J'ai hâte de les voir. On a fait des photos en couple. On a fait des photos tous les trois. J'ai trop, trop hâte. J'ai trop, trop hâte. Mais de toute façon, vous en verrez passer sur Instagram principalement. On est passé à la boulangerie pour prendre des petits gâteaux pour ce soir et pour prendre le goûter. Hein, ma Calinette? Cali, elle a joué au jeu. Et puis là, on va faire un petit tour et puis on va rentrer doucement mais sûrement, je pense. Ne se coupe pas. Si les gâteaux peuvent ne pas finir par terre, ça serait cool. Oh, un ours. On est reparti. Il y a des petits ours en forme de... En fait, les poubelles, c'est en forme d'ours.
Donc ça a un truc quali. Non, c'est la poubelle, mets pas tes mains dedans. Un ours. C'est toi. Allez, Calinette. Il est où l'ours? Il est où l'ours? Comment il fait l'ours? Comment il fait l'ours? Il est où l'ours? Oh. Ouh. Oh. Il est où l'ours? Bah oui, tu fais comme papa. Comment il fait l'ours? Ah, il y a plein de moutons. Ah oui. Il y a plein de moutons dans le champ là-bas. Plein de moutons. Des moutons. Et puis là, il y a le parc. Il y a un étang en fait. Il y a deux étangs même. C'est vraiment magnifique ici. Et puis bon, avec ce ciel bleu, franchement, on ne peut que apprécier. Et puis il n'y a pas grand monde, donc ça c'est top, encore plus. Bon, on va se promener encore. C'est l'après-midi promenade. En même temps, il fait tellement beau que. On a pris la poussette avec la petite plateforme là. Donc c'est la poussette Bonavie, hein, je vous en ai déjà parlé. Et en fait, on est en train de tester la plateforme. Donc vous avez un siège. Cali peut se tenir debout aussi. Et puis on a un siège, donc ça sera top quand sa petite sœur sera là. Parce que Cali ne va plus du tout dans la poussette. Hein. Hey, il y a des dadas. Dada. Dada. Attention. Salut Pépère. Attention. Je vais te porter. Je te porte. Oh là là. Là aussi, il y a Dada. Cheval. Bonjour. Bonjour le cheval. Je vois bien d'ailleurs. Bonjour le cheval. Il y a là-bas aussi. Toi, t'as senti la carotte. Je ne pas la. Non. Ah, il est beau lui, hein. Oh, t'es beau toi, hein. T'as une belle couleur, hein. Bah ouais, c'est bon le pain. Je vais le couper. Tu m'as mangé ma main. Bon, petite préparation de l'apéro. Ça va, Cali? On a du fromage frais avec du thon, des petits champignons fourrés au fromage frais, des petits hamburgers, des olives, des petites chips, ça c'est quoi? Des escargots. Calinette est en train de manger le de manger le fromage. Et dans le four, hop, on a le petit feuilleté chèvre, miel, figue. Et ici en haut, on a. Oh, il y a plus de. Il y a la buée, pardon. En haut, on a des petits pruneaux avec du lard autour. Voilà, donc c'est en train de cuire doucement, mais sûrement. D'ici 5-10 minutes, ça sera bon. Et puis voilà, on va bien manger, on va se régaler. Petit apéro pour la Saint-Valentin, ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce que c'est que cet enfant? Avec notre petite fille. Elle prend un bâton et avec le doigt du 2 au-dessus du bâton avec la même main, elle trempe le doigt, elle mange le bâton et le doigt. Bah oui, ça va mieux avec le doigt. Dis donc. Mets pas tes doigts dedans. Mets pas tes doigts dedans. Mais non. Mais non. Et voilà. Et t'en mets partout. C'est bon. Oui, oui c'est chaud. C'est chaud. Allez, on mange. Ça, c'est moi, j'adore le fond d'écran de l'ordi de Doudou. Bah quoi? On est beau, hein. Oui, j'aime bien. Ben oui, on est beau. C'est funny. C'est nous. Ça nous représente bien. Mmh. Surtout Cali. On va aller au dodo. Et avant, je vais aller faire la gamelle de Cali. Bah oui, je viens de te le dire. Ouais, parce que j'ai pas préparé. J'ai tout préparé. J'ai pas préparé la petite boîte. Bon, ça va, on a ce qu'il faut. Oui, bien sûr, on a tout ce qu'il faut pour qu'elle mange, mais bah faut être préparé, quoi. Et on va aller au dodo. Moi, j'ai fait pas mal de montage de vidéos. Là, je me suis bien avancée. J'ai la vidéo de demain matin qui est prête. Heureusement, si on va se coucher.
celle de samedi et celle de lundi. J'ai de l'avance. C'est cool. Et sinon, Kali, elle dort et elle sait pas du tout. Elle s'est endormie en 2 minutes. Elle était tellement épuisée que voilà. En même temps, ça a été une grosse journée aussi pour elle. Pour maman bien. Aussi, parce que là, tout à l'heure. Quand on est les deux, de toute façon. Ah bah oui. Non, mais puis en plus, on s'est pas mal baladé. On est allé au parc, on est allé voir les chevaux. Et puis pour moi aussi, tout à l'heure, sur le canapé, avant de préparer le repas, je me suis endormie pendant quoi, 45 minutes. Ouais, je me suis occupée de la petite. Doudou s'occupait de la petite et je me suis endormie, mais comme une bouse, sur le canapé. Enfin, bon allez, on vous fait des bisous. Joyeux Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin. Joyeux Saint-Valentin. Pendant encore 20 minutes. Et puis on vous dit à demain. Demain, on va voir notre pépette. Pour peut-être la dernière fois. Ah. Bah oui, en écho. En oui. Écho. À l'écho. Et après, on récupère Kali. On monte chez ma sœur. On passe la soirée chez ma sœur. Et après, on descend, etc., etc. Voilà. Donc, encore une journée bien chargée. On adore. Allez, on vaut dodo. On vous fait des bisous. Prenez soin de vous. Et à demain.